Bienvenue à tous sur Star Pirate News, épisode pilote. Donc voilà, c'est le premier épisode, c'est l'épisode pilote, c'est le test ultime de ce nouveau concept qui, en quelques mots, c'est simple. C'est une émission qui va essayer de regrouper toutes les informations qu'on a reçues, vous les exposer d'une manière un peu plus rapide, plus ludique, plus interactive. Donc voilà, je vais essayer de faire ce genre d'émission tous les mois, si possible, histoire d'avoir des infos à partager, hein, parce que si je fais ça toutes les semaines ou tous les jours, déjà, j'aurais pas le temps, hein, c'est quand même du boulot. Et puis, il me faut du concret, hein, il me faut quelque chose à avoir sous la main pour pouvoir vous montrer. Si je vous rabâche toujours la même chose, vous allez vite vous ennuyer et me dire « dégage hein, ». Bon, voilà. Donc je vous invite quand même, après cette vidéo, après avoir visionné, à en discuter sur le forum, histoire de donner votre avis, hein, votre opinion, vos idées, histoire d'améliorer le tout. Voilà, vous me dites ce que vous voulez, vous me dites, voilà, ça c'est pas bien, il faudrait un petit peu développer plutôt sur ce sujet-là, ou bien ça, non, ça marche pas, arrête, c'est casse-couille, ou bien c'est trop long, c'est trop court, voilà. Donc, vous me donnez votre opinion, voilà, je compte sur vous, puisque c'est quand même pour vous que je fais tout ça. Donc voilà, on va commencer. On va commencer par une news en fait, tout simplement sur la démonstration qui a été postée il n'y a pas longtemps. Donc sur la démonstration du futur site qui va arriver fin mai. Donc je vous propose immédiatement de voir cette démonstration de site immédiatement. Voilà, c'est parti. Donc voilà. Voilà donc la démonstration de l'interface du prochain site qui devrait arriver fin mai. Donc le site de Robert Industries, le site officiel de Star Citizen. Donc ici on voit comme démonstration, c'est la présentation du Hornet. Très très beau travail. On voit qu'on peut bouger le Hornet un peu dans tous les sens en fait. Vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Afficher les textures ou non. Voir le nombre d'équipages, sa masse, le nombre de capacités d'amélioration qu'il a, le nombre de capacités de cargo qu'il a, le type de moteur, le nombre de propulseurs et leur type, le nombre d'armes et d'emports qu'il peut utiliser avec leur classe, avec une petite description. Quand on clique par exemple sur la description de la classe 4, on voit que c'est la balle turrette qui se trouve ici, et on a une description de la balle turrette. Bon, là, pour le moment, c'est une description placeholder, hein, c'est de l'Ipso. Donc, ce n'est pas encore voilà, la vraie présentation, forcément, ce n'est qu'une démonstration. On peut cliquer sur le propulseur, on a également une présentation, même chose pour le nombre d'équipages, pour la masse. Comme vous le voyez, c'est très rapide, c'est très esthétique, c'est très facile d'utilisation. Donc, c'est un travail qui a été fait par Zane Bean, j'espère que je prononce bien le nom, dont on a eu une petite interview lors du dernier Wingman's Hangar, le numéro 9, et dont on a eu la présentation en vidéo qui est disponible sur le site. C'est un jeune développeur venant d'Hawaï, enfin vous n'avez qu'à regarder l'interview pour en apprendre un peu plus sur lui. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a fait un très très joli travail et que sincèrement, si le site se rapproche ne fût-ce qu'un tout petit peu de la qualité de cette démonstration, moi je n'ai qu'une chose à dire, vivement fin mai, qu'on ait tout ça sous la main pour pouvoir avoir plus d'informations, et avoir un superbe site à voir, à regarder, regardez-moi ça, comme c'est rapide, je n'en reviens pas. Donc voilà, c'est un petit peu la démonstration du prochain site qui arrivera donc fin mai, je le dis. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire là-dessus. C'est assez court, cette émission est assez courte puisque c'est la première, et que je n'ai pas grand-chose à vous montrer d'autre que la démonstration du futur site de RSI. Donc, j'espère que vous allez un peu discuter de cette vidéo sur le forum. Je le répète, me poser des questions à laquelle je répondrai, bien entendu. Et j'espère que dans le
premier vrai épisode de Star Pirate News, nous aurons, qui se produira d'ici au moins un bon mois, histoire d'avoir assez d'informations pour les présenter sous forme de vidéo et ne pas faire quelque chose aussi court que ceci. Je pourrais enfin faire quelque chose de bien en prenant en compte vos suppositions, vos idées, tout ce que vous m'aurez donné via le forum. Donc j'espère que le concept vous plaît. Vous pouvez me le dire si ça vous plaît ou pas. Voilà, c'est sur ça qu'on va partir de base. Donc on va arrêter ici pour cette émission pilote. Moi, je vais repartir en patrouille. Hein. Je suis de retour d'ici 3 petites heures, une fois que j'aurai terminé ma patrouille. Donc, je vous dis à la prochaine pour Star Pirate News. Salut tout le monde!